Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne GLG Vidéo pour cette mini-review. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur téléphone robuste pour les amateurs de photographie, l'Ulefone Power Armor 19 avec 17 Go de RAM, 256 Go de stockage, une carte micro SD, une caméra 108 millions de pixels et une batterie de 9600 mAh avec charge rapide 66 watts. Dans la boîte, vous trouverez le téléphone, un câble USB, un chargeur de 66 watts, une dragonne, un film de protection en verre et une coque avec mousqueton en option. Le téléphone mesure 175 par 83,4 par 18,8 mm et pèse 409 grammes. L'écran de 6,58 pouces Full HD+, rafraîchi à 120 Hz et protégé par une vitre Gorilla Glass 5. En haut, vous trouverez une LED de notification avec une encoche en forme de goutte d'eau pour la caméra frontale de 16 millions de pixels dont on vous a mis quelques photos. Après ces quelques photos et cette vidéo, il faudra bien avouer qu'on est relativement impressionné par la qualité de cette caméra. Votre vidéo, ok. Il n'y a pas l'air d'avoir de stabilisation, mais... Et la qualité est pas mal, hein. Sur le côté gauche, il y a un emplacement pour deux cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Le téléphone est compatible avec les réseaux 2G, 3G et 4G, mais n'est pas compatible 5G. Il a également un bouton paramétrable et un connecteur smart. Sur le côté droit, vous trouverez le bouton volume, plus, moins et le bouton d'alimentation qui intègre un lecteur d'empreintes digitales. En haut de notre téléphone, on aura une prise jack. Et en bas de notre téléphone, un connecteur USB type C et un haut-parleur. À l'arrière, vous trouverez trois caméras, dont une caméra Samsung HM2 de 108 millions de pixels, une caméra macro de 5 millions de pixels et une grand angle de 8 millions de pixels. On fait une vidéo ici. Moi, quand je secoue, c'est pas terrible du tout. Ici, on va revenir, on peut zoomer. Waouh, c'est propre, hein. Il y a également un capteur de température pour les objets ou les personnes. La batterie de 9600 mAh prend en charge la charge rapide de 66 watts, la charge sans fil de 15 watts et une charge révestible jusqu'à 10 watts. Le processeur Helio G99 a obtenu 386 727 points sur AnTuTu. Le téléphone a 12 Go de RAM plus 256 Go de stockage ainsi que la possibilité de partager 5 Go de RAM avec la mémoire virtuelle, soit 17 Go de RAM. Le téléphone fonctionne sur Android 12 et peut facilement exécuter des jeux grâce à la version gaming du processeur Helio. Le téléphone équipé du Bluetooth, du Wi-Fi, du NFC, d'une radio FM sans écouteurs et d'un GPS. Bref, en conclusion, l'Ulefone Power Armor 19 est un téléphone robuste avec une protection IP68 et IP69, une connectivité intelligente pour les accessoires, de très bonnes caméras avant et arrière, beaucoup de RAM et de stockage, plus une carte micro SD. Le seul inconvénient sera qu'il est un peu massif, bien évidemment, et qu'il n'est pas 5G. Le téléphone est disponible à 432€ sans la coque et 465€ avec la coque en option. C'est un excellent téléphone qui est très ciblé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Ulefone Power Armor 19. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour plein de mini-reviews.